Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes. Ce n'est pas encore fait. Ici c'est la chaîne des entrepreneurs. Je sais pas ce que tu fais. Tu regardes mes vidéos mais tu mets pas d'abonnement. Tu t'abonnes pas, ça veut dire quoi les gars? On est là en charbonne. Tu t'abonnes pas? C'est comment les gars? Donc voilà. Maintenant que ça c'est dit, commençons à présenter l'invité. Bon, peut-être que tu le connais déjà si tu as vu la vidéo précédente. Nouvelle vidéo avec Florent Moncam. C'est bien ça, Moncam? C'est ça, Moncam. Voilà. Ah, mais il faut faire attention à ne pas écorcher les noms des invités. Hein, on est là en interview, tu dis un nom, Moncam, tout ça, c'est pas bon. Ok, Moncam, donc ça fait plaisir. Donc, vidéo, les gars, on va parler de l'investissement au Canada, les avantages et inconvénients, pourquoi c'est là où il faut investir, selon toi. C'est l'expert en investissement au Canada. Il a investi. Il a quoi, 2 millions de patrimoine? Ouais, 2,5 millions. Quoi. 2,5 millions de patrimoine au Canada. Exactement. Et il a fait ça en 2 ans, donc c'est énorme. C'est des trucs qui sont quand même difficiles à faire en France. Donc explique-nous pourquoi c'est la rouée vers l'heure, là, c'est Canada. Donc, pourquoi le Canada? Donc, les premiers avantages que je verrai, en fait, par rapport. Enfin, je vais faire un peu le comparatif par rapport à la France pour que vous ayez une certaine. Enfin, des liens de comparaison, si je peux dire. Pourquoi le Canada, déjà? L'accès au financement. L'accès au financement ici, il est très, 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 très facile. C'est vraiment facile d'avoir du crédit, que ce soit d'un point de vue personnel ou même par rapport à l'immobilier. Rien que pour te donner des chiffres, voilà, en France, on parle d'un taux d'endettement de 33%, ici, c'est 40-45, entre 40 et 45. Oh. Donc, déjà, ça te permet de lever plus de fonds. D'accord. Donc, si tu es assez bon et assez persuasif auprès du banquier, tu peux lever pas mal de fonds, quoi. Donc, moi, je connais des personnes qui touchent l'équivalent de 30 000 euros. Donc, ça fait à peu près 50 000 dollars et qui lèvent un demi-million de dollars via certains boîtes de financement créatifs. 30 000 dollars à l'année, tu veux dire? Ouais. Ah ouais. 30 000 dollars. 30 000 euros. 30 000 euros, ça fait à peu près 50 000 dollars à l'année. D'accord. Okay. Tu vois, donc, ils lèvent un demi-million, quoi. Donc, c'est juste pour dire que l'accès au financement est assez facile. Après, par rapport à l'immobilier en lui-même, pourquoi c'est intéressant d'investir au Canada? Il faut savoir qu'au Canada, en fait, le marché de l'immobilier, il évolue de façon exponentielle, lié à différents facteurs économiques. D'accord. Tu as l'immigration. Bon, je pense que tout le monde entend parler du Canada en ce moment avec toutes les politiques d'immigration qui sont mises en place. Ouais. Donc, ça fait que là, on parle de plusieurs millions de personnes d'ici 2020, je crois. Okay. Donc, ça fait que la demande locative est extrêmement forte. La demande locative est extrêmement forte et du coup, les prix sont juste… Ça augmente, quoi. Ça augmente. Il suffit de voir le marché de Vancouver et Toronto. Les prix sont juste faramineux. Donc, dans le sens où ici, tu as pas mal d'investisseurs étrangers qui viennent et qui achètent cash. Du coup, le marché dans ces deux villes-là, il est en surchauffe. Donc, raison pour laquelle le marché immobilier croît. Par rapport au Québec, le Québec, c'est différent parce que le Québec, ils sont assez conservateurs par rapport au marché immobilier. Ils sont conservateurs, donc ils ont mis certaines règles pour freiner en fait les investissements étrangers massifs en mettant une taxe de 15%. Ce qui fait tout de même que maintenant, les gens de plus en plus délaissent Vancouver et Toronto pour venir investir au Québec. D'accord. Donc, en tant qu'investisseur, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tu as les prix qui montent. À chaque année, quoi. Donc, moi, par exemple, parce que j'ai plusieurs immeubles ici au Canada, d'une année à l'autre, voilà, tu prends entre 7 et 10% de prise de valeur. D'accord. De prise de valeur. Donc, ça te permet derrière d'obtenir plus d'équité et de pouvoir refinancer tes propriétés. Alors, équité, explique c'est quoi? Parce qu'il y en a qui doivent pas. L'équité, en fait, c'est tout simplement la prise de valeur. Dans le sens où l'équité que tu vas avoir, c'est ton capital. Tu vas avoir le capital remboursé et la prise de valeur. Disons que demain, tu achètes un bien à 200 000, mais que voilà, tu l'optimises, tu augmentes les revenus, voilà, tu fais des travaux, il passe à 250 000. On va dire que tu as fait une bonne affaire, mais en optimisant le tout, tu passes à peut-être 250 000 de valeur locale, de valeur marchande. Okay, de valeur marchande. Et tu as mis, 20% d'apport. D'une année à l'autre, tu as remboursé plus de capital. Donc, tu es peut-être passé de 20 000 à peut-être, je sais pas, on va dire quelque chose comme 25 000. D'accord, ok. Et tu vas pouvoir récupérer une partie de ton capital remboursé et les 50 000 dollars en plus.
La banque te redonne ce montant-là, en fait. Il te les donne comment ça? En argent? Il te donne ça sous forme de crédit. D'accord. Sous forme de crédit. Donc, en gros, c'est comme si tu as une ligne de crédit qui apparaît et tu peux prendre ce montant-là pour l'investir autre part. Ok, donc ligne de crédit. Donc, attends, alors, du coup, si j'ai bien compris, là, en fait, tu peux récupérer l'argent. Imagine, tu as remboursé l'argent de ta propre. Voilà. Et tu peux récupérer l'argent de ta propriété. Ok, que tu as déjà remboursé. Que tu as déjà remboursé. Genre 20 000 dollars, par exemple. Voilà, tu peux les récupérer. Et si le bien, il a pris la valeur. 50 000 dollars, par exemple. On te donne accès à ces 50 000 dollars. On dit, tiens, voilà, donc en gros, ça ferait 20 plus 50, ça ferait 70 000 dollars. Voilà. Et la banque me dit, vas-y, tiens. Prends de la taxe à 70 000 dollars, bah, un taux préférentiel. D'accord. Pour que tu puisses utiliser pour investir ailleurs. Sachant que, ici, tu n'as pas de délai pour rembourser le capital. T'as pas de délai pour rembourser le capital. Ça fait que les 70 000, ouais, tu peux les prendre, tu rembourses que les intérêts. Disons que si les intérêts sont de 3% et que tu vas investir les 70 000 dollars sur quelque chose qui te rapporte, je sais pas, 15%, je crois que tu gagnes le différentiel, en fait. Non. Mais t'as pas de délai pour rembourser le capital. Donc, c'est encore plus puissant que le prêt infini en France. Moi, j'appelle ça le prêt nos limites, dans le sens où, ben, tu peux revenir dans 40 ans. Tant que tu payes les intérêts pendant les 40 ans, d'accord, on ne te fait pas chier. On ne te demande pas de payer. On ne demande pas de payer. Tu payes juste les intérêts, c'est tout ce qu'on demande. C'est un truc de malade. Et cet argent-là, par exemple, ça te fait comme un apport que tu peux utiliser pour te refinancer un autre bien, ouais, pour être propriété encore d'argent, c'est exactement, ça. Exactement. En fait, ça fait deux crédits cumulés. Quoi. Ouais, voilà. Donc c'est ça. Et après, et moi, ce que je fais, c'est du coup, même que j'utilise ça, ben, pour investir à l'étranger, j'investis en France. Bon, je fais des investissements ici au Canada. Ouais. Et j'investis en France. Pour donner quelques chiffres, par exemple, j'ai acheté un immeuble à 355 000 dollars. Mm-hmm. Quatre logements. Et la banque est venue évaluer l'immeuble à un demi-million de dollars, minimum. D'accord. Minimum. Donc, c'est la banque qui se déplace. La banque se déplace, elle vient, elle voit ton, elle regarde ton immeuble, fait les calculs, elle regarde, on a ici des comparables, donc elle va voir des propriétés similaires à la tienne qui se sont vendues sur un rayon de, je sais pas, de 2 ou 3 kilomètres. Donc elle prend ça et elle fait les comparatifs, elle fait les calculs et c'est comme ça qu'elle évalue la valeur de ton bien. Donc quand la banque te dit, ok, ton bien il vaut un demi-million, sachant que tu l'as acheté à 355 000, que tu as mis, moi j'avais mis, j'ai dû mettre 20% d'apport, bon sur les 20% réellement, j'ai dû mettre. Enfin, c'est 20%, ça faisait 72 000 d'apport. Mmh. Sur les 72 000, j'ai dû mettre de ma poche réellement 18 000. Bon, les autres, le reste, je suis allé le chercher de façon créative avec les cartes de crédit, marge de crédit, etc. Mais j'ai mis 72 000 sur la table. Ça fait qu'il me reste 286 000 à peu près à rembourser. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est que la banque va me donner accès à 500 000 moins 287 000. Ok. Donc, ça fait plus de, je sais pas, ça fait quelque chose comme 170 000 dollars à peu près. Donc, c'est 170 000 dollars. Donc, il me les donne sous forme de crédit. Ouais. On va dire un taux d'intérêt de 3%. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais mettre ça sur la table pour acheter un bien peut-être à 1 million ou 2 millions. Enfin, tu vois. Ok, maintenant, je comprends pourquoi les gens ici au Canada, on entend des gars qui ont des 1000 appartements parce que. Exactement. Tu réinvestis. Ouais, ben c'est ça. J'ai un ami à moi, il a acheté 141 logements. Il a acheté 141 logements à 7,6 millions. Tu vois, 141 logements à 7,6 millions. Donc, le gars, il a carrément pris, c'est quasiment un quartier, quoi. Genre, c'est des blocs d'appartements. 141 logements, 7,6 millions. Un an après, ben, il est entre-temps, ben, il a fallu charbonner. Tu vois, il a dû sortir les mauvais locataires, faire des travaux, rehausser les loyers. Parce que quand tu rehausses les loyers, la valeur de la propriété, enfin, ça augmente. Ah, ici voilà. Alors. Ouais, okay. C'est vraiment comme un business, en fait. Genre, c'est comme si demain, tu as une entreprise qui fait, je sais pas, 500 000 par an. Mm-hmm. Si tu la pousses à faire 1 million par an, elle est valorisée à, je sais pas, enfin, ce sera la valeur va peut-être doubler, tu vois. Alors qu'en France, c'est pas pareil. En France, c'est pas pareil. Non. Ici, c'est vraiment, plus tu hausses les loyers, plus la propriété vaut cher. D'accord. Donc, ça fait que la banque de mon ami, enfin, elle est revenue un an après. On fait les calculs pareil, même exercice comparable. On fait les calculs. On lui dit, ok, là, on chiffre le tout à 9 millions et quelques. Tu vois, ça fait qu'il a refinancé plus d'un million. Il a mis les 1 million sur la table, il a levé je sais pas combien. Je crois qu'il a acheté un 58 logements ici à Montréal. Parce que les 141 logements, il les avait achetés à Québec. Donc là, il a pris 1 million, il a mis sur la table, il a levé 58 logements ici à Montréal. Donc tu vois, ça fait que finalement,
Et il n'a pas sorti d'argent de sa poche. Parce que finalement, il a pu récupérer le capital remboursé, la prise de valeur suite à l'augmentation des loyers. Il a récupéré ça. Il a mis ça comme apport pour acheter un nouveau logement. Quoi. Ouais, donc vraiment, ce système d'équité, c'est un anti-pauvreté. Quoi. Les gens qui sont pauvres, c'est qu'ils le veulent. Quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, ce que je dis aux gens, au Canada, tu as deux issues. Soit tu es multimillionnaire grâce à. Si tu comprends le financement, ouais. Tu deviens multimillionnaire ou tu es endetté à vie, en fait. Ouais. Parce que du coup, c'est vu que l'accès au crédit il est facile, ça incite beaucoup de gens à consommer. Ah, bah oui. Tu vois, je peux te donner un exemple. Moi, je suis allé. Ben, quand je faisais mes pirouettes pour trouver le financement pour l'immeuble, moi, j'avais pas d'argent. Donc, j'ai dû vous demander des lignes de crédit personnelles. C'est quoi des lignes de crédit? Parce que c'est pas la même. En fait, c'est comme du crédit à la consommation. C'est comme du crédit à la consommation que du coup, ben, même chose, tu n'as pas forcément de délai de remboursement de capital. Tu peux ne rembourser que les intérêts. Alors que quand tu prends un crédit à la consommation, là, tu prends 10 000 euros et le mois d'après, tu commences à les rembourser. Tu vois, ouais, en France, ouais. Ouais, alors que ici, voilà, tu rembourses les intérêts et le capital, tu peux revenir quand tu veux. Donc, du coup, j'avais commencé à si, il fallait que je mette 72 000 sur la table. Donc, j'ai commencé à aller activer des lignes de crédit un peu partout. Et une fois, je rentre dans la banque. Et la dame me dit, bah, moi, je voulais prendre 20 000. Ouais. J'ai demandé 20 000. Elle me dit, bah, vous n'aurez pas besoin de 5 000 de plus pour partir en vacances avec votre femme. Bah, dans ma tête, je me suis dit, waouh. Je me suis dit, waouh. Du coup, j'ai dit, bah, oui, bah, j'ai besoin de ça. Je me suis dit, bah, ouais, je vais aller à Cuba et tout. Bon, bien sûr, je n'ai pas fait ça, mais j'ai pris les 25 000 et ça m'a permis d'investir. Quoi. Donc, c'est ça. Et du coup, ça, ils font ça pour inciter les gens à consommer. Mais bon, si toi tu viens avec le mindset d'investisseur, pour toi c'est une arme fatale en fait. Mais c'est énorme. C'est ça. Ça veut dire que tu as de l'argent que tu peux utiliser. C'est énorme. Exactement. Donc là tu peux. Et là, c'est pour ça que moi j'accompagne justement, comme je te l'ai dit avant, j'accompagne les gens pour investir au Canada. Pourquoi? Parce que demain, tu achètes des propriétés ici au Canada. Tu dis, je sais pas, tu achètes même, ne serait-ce que même deux immeubles. Tu achètes deux immeubles. Deux immeubles, on va dire, tu vas avoir 1 million. D'ici, avec tous les facteurs économiques que je t'ai dit, d'ici 10 ans, au bas mot, tu seras à 1,5 million. Ouais. Tu vois. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas pouvoir avoir accès à 500 000. Donc, du coup, et les 500 000, tu as accès là, c'est pré-approuvé. Donc, il suffit juste que tu as les cartes de crédit. Hein. Tu peux aller en France, tu retires l'argent et tu viens mettre 500 000 sur la table pour lever notre propriété. Ou tu peux aller dans d'autres pays où tu vas. Enfin, tu peux même rester au Canada et tu fais la même chose, en fait. Ouais, carrément. Donc, du coup, ça te. C'est comme si tes propriétés deviennent tes banques, en fait. Tu vois, je sais pas si c'est le bon. Non, parce que la bonne façon. Je comprends pas trop. Bah, en fait, tu peux emprunter à la banque via tes propriétés. Ouais, voilà, ok. C'est d'accord. Que si. Ah, ok, j'ai compris. C'est que si, en fait, tu as acheté une propriété à 1 million, et que, voilà, d'ici quelques années, bon, on va dire, bon, d'ici 10 ans, ça va, vu l'immigration, etc., et les facteurs économiques, ça va alors 1,5 million. D'accord. Tu auras accès de manière quasi instantanée, je te dirais, aux 500 000 supplémentaires. Donc, c'est pour ça que je dis, ben, du coup, tu as une capacité d'emprunt de 500 000, en fait. Ouais, et puis en plus, tu n'es même pas obligé d'attendre 10 ans, quoi. Voilà. Chaque année. Exactement, chaque année, ça augmente. Après, tu peux accélérer la chose en venant augmenter les loyers. Voilà, tu peux faire des stratégies pour sortir les mauvais locataires, refaire des travaux, voilà, augmenter, faire de la colocation. Enfin, tu vois, toutes les stratégies françaises, de France. Tu peux venir les mettre ici, faire de la colocation, Airbnb, tout ça. Ça vient booster les revenus. Et du coup, quand la banque va venir, elle va dire, ah, ok, là, c'est plus 1 000 $ de loyer que tu as, c'est, je sais pas, 1 800 $ de loyer que tu as mensuellement. Ça vient augmenter la valeur de la propriété. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, donc, tu accompagnes les gens pour pouvoir leur permettre d'investir. Ouais. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que ben, j'accompagne les investisseurs, que ce soit les investisseurs France, enfin, peu importe, hein, n'importe quel investisseur, je les accompagne à avoir 1 million de patrimoine en immobilier. Ok, d'accord. De toute façon, sur les 5 prochaines années, quoi. Soit tu prends 1 million, soit on t'aide à lever 1 million. D'accord. Soit tu peux même lever un peu moins, mais avec la prise de valeur à chaque année, ben, si tu prends 500 000 aujourd'hui, d'ici quelques années, voilà, c'est en prenant entre 8 et 10% par an. Voilà, sans rien faire, tu auras forcément 1 million d'équité. Quoi, d'accord. De patrimoine. Bon, de toute façon, je mettrai un lien si jamais vous êtes intéressé et vous voulez savoir un peu plus. Il a fait une conférence en ligne, fait des conférences en ligne où justement tu parles de ça. Exactement, tu donnes les détails, exactement les étapes.
Donc si vous êtes intéressé, les gars, cliquez sur le lien, vous allez pouvoir voir ça. Ok, donc c'est vraiment énorme. Et c'est quoi vraiment les différences? Parce que là, on dirait que le Canada, ça a l'air d'être largement mieux pour investir dans l'immobilier, en fait. Mais il doit bien avoir des avantages et des inconvénients. Ben, moi, je dirais, enfin, parce que bon, vu que j'ai investi dans les deux pays, au Canada, tu as difficilement, enfin, le cash flow est moins élevé. Enfin, la rentabilité est moins élevée. D'accord. Du fait aussi que vu que les prix augmentent assez vite, les loyers, ça ne suffit pas forcément. D'accord, ok. Tu vois, donc si sur un an, tu prends 10% en immobilier, tu ne vas pas venir augmenter le loyer de 10% derrière. Tu vois. Donc ça fait qu'il y a une décorrélation entre les loyers et la valeur des propriétés. D'accord, ok. C'est pour ça que des fois ici, les rentabilités sont moins élevées. Bon, après, en ayant des stratégies un peu comme en France, genre de faire de la colocation, parce qu'ici, c'est pas trop ils ne font pas trop ça, tout ce qui est colocation, location courte durée, colocation de Airbnb. En appliquant ça ici, tu peux un peu rattraper le coup, quoi. D'accord. Donc, du coup, ouais, c'est ça. T'as pas forcément accès, enfin, t'as pas forcément beaucoup de cash flow au début. D'accord. Au niveau du financement, au début, il faut quand même un peu mettre d'argent. Ok. Parce que tu vas mettre, tu sais, il n'y a pas de 110%. Enfin, il n'y a pas de financement à 110% comme en France, sauf quand tu arrives à un certain nombre de propriétés. Quand tu dépasses les 6-10 logements, c'est plus facile. C'est pas du 110%, mais c'est que le vendeur te finance ton apport. C'est le vendeur qui te prête l'apport avec un taux d'intérêt. Ah, ok. Donc, c'est pas la banque. La banque va pas te payer ton apport. C'est le vendeur qui te prête de l'argent pour que tu finances ton apport, en fait. Et ça, c'est quand tu arrives vraiment sur les grosses propriétés. D'accord, ok. Et derrière, la logique, c'est quoi? C'est de pouvoir, en fait, si le vendeur te prête l'apport, toi derrière, ta mission, c'est quoi? C'est d'augmenter la valeur de la propriété pour refinancer et le rembourser, en fait. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, en fait. Donc, mais bon, si on parle de, je sais pas, d'appartements ou d'immeubles qui vont jusqu'à 5 logements, voilà, c'est au début, il faut mettre un peu d'argent. Mais très vite, tu les récupères parce que l'immobilier prend de la valeur. Et vu que ça prend de la valeur, derrière, tu vas pouvoir refinancer. Donc, même si tu as mis, je sais pas, si tu pars sur un immeuble à 500 000 dollars, même si tu mets 50 000 dollars d'apport, voilà, c'est que d'ici quelques années, si tu fais bien les choses et que tu optimises, d'ici quelques années, on va dire à minimum un an, tu vas pouvoir récupérer ces 50 000 dollars sous forme de crédit et te rembourser finalement. D'accord. Et est-ce que, genre, il y a des limites? Parce qu'en France, à un moment donné, quand tu commences à avoir pas mal d'appartements, enfin, c'est pas mal, c'est même pas beaucoup de ouf, c'est peut-être 5, 4, 5, 6, ça commence à être compliqué, il faut être en société. Est-ce qu'il y a ce problème au Canada? Pas vraiment. Dans le sens où, ici, jusqu'à 5 logements, on va commencer à regarder tes revenus. D'accord. On regarde tes revenus. Quand tu vas acheter un immeuble de 5 logements, on va regarder tes revenus. Quand tu passes à 6 logements et plus, on ne regarde plus tes revenus. Tu peux ne pas avoir d'emploi. Mais la valeur, donc la rentabilité de l'immeuble est au top. Ouais. Tu sais, la banque va pas regarder tes revenus, la banque va regarder la rentabilité de l'immeuble. Et sur cette base-là qu'elle va te financer. Ah ouais. Tu vois, c'est pour ça que on nous parlait de mon ami qui a acheté pour 7 641 000 logements. Si on n'a pas regardé ses revenus, lui, il travaille même pas. Oui, voilà. Si il travaille même pas, il est tout le temps dans des chantiers et tout. Lui, il travaille pas, c'est qu'il a juste trouvé le bon deal, il a fait les bons calculs, il a montré à la banque que c'est quelque chose de rentable et aussi tu montres à la banque que tu vas pousser que tu vas augmenter les loyers. Ouais. C'est la banque, elle analyse tout ça, donc elle voit le potentiel du truc, donc c'est sur cette base-là qu'elle te finance. Ouais, donc en fait, contrairement à nous en France, là les banquiers, c'est un peu des experts immobiliers aussi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment, ouais, c'est qu'ils font des analyses. Ouais, ils font des projections sur je sais pas combien d'années, voilà, tu peux sortir peut-être à tel moment, tu peux. Il va dire, ok, là, tu achètes à 7,6 millions, mais d'ici un an, lui, il estime déjà que tu vas pouvoir refinancer pour te financer même une autre opération. D'accord. Tu vois, donc… Donc le seul petit point négatif, on pourrait dire, ce serait que les loyers sont moins élevés, mais en même temps, ça se comprend puisque tu prends énormément de valeur au niveau du bien. Exactement, exactement. Et en plus, tu peux réutiliser cet argent-là pour refinancer. Donc, je vais dire, même si j'ai un peu moins de cash flow, ça ne me dérange pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais après, vu que… c'est pour ça que moi j'aime, enfin j'adore ça, parce que c'est le fait de, enfin, qu'on fasse de l'immobilier en France,
ça permet en fait de voir les différentes stratégies, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Ça permet de voir les différentes stratégies. Parce que clairement, tu peux prendre les stratégies françaises, les adopter au Canada, et en étant au Canada, tu peux utiliser le financement canadien pour investir en France. Ouais, donc du coup, Donc t'as... tu vois, tu es sur les deux lignes de front là, et il y a moyen de faire pas Ouais. mal de choses, quoi. Bah, clairement, là, j'ai utilisé du financement. Enfin, j'ai refinancé un de mes immeubles. Ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai utilisé une partie de l'argent que j'ai refinancé Ouais. pour mettre l'apport pour un lot de deux appartements à côté de Paris. Tu vois, mais c'est grâce au financement canadien, parce que l'argent, je l'avais pas forcément. Ouais, Mais bah oui. j'ai pris une partie. C'était combien? C'était 60 000 dollars. Ouais. Sur les 60 000 dollars, j'ai pris 20 000, j'ai envoyé en France. Ouais. J'ai levé deux appartements. Et le reste, j'ai utilisé, enfin, je suis en train d'utiliser là pour investir sur mon troisième immeuble ici. Ouais, donc c'est énorme parce que ça te fait. T'as, du coup, tu as une puissance financière grâce à ce système d'équité là Ouais. Ah qui te permet de faire ce que tu veux, quoi. non, mais clairement. Ouais, Bah, c'est énorme. en gros, là, si tu as de l'immobilier ici, là, si tu arrives à avoir 1 million d'immobilier, Ouais. dans 2 ans, toi, enfin, dans d'ici 5, 10 ans, tu auras une force de frappe monumentale dans le sens où forcément ça va prendre la valeur. Et après, tu vas pouvoir cash out l'argent assez facilement, quoi. Ouais. Mais donc du coup, faut pas trop traîner parce que Ouais. ça, à un moment donné, ça passe, ça va arriver à un stade où ça va plus augmenter, quoi, Exactement. comme à Toronto. Ouais. Mais après, je te dirais, si les gens ils vont dire, ouais, lui, bon, il y a toujours des pessimistes un peu Ouais. dans le. Enfin, Dans même sur les. Internet ou un peu partout. Ils vont dire, ouais, les prix montent, ils montent, ils montent, ils montent. À un moment, ça va s'arrêter. Ouais. Sauf que, enfin, quand tu regardes le truc. Tu dis, t'as Toronto, Vancouver, déjà ils sont hauts. Ouais. Nous, on est 3 fois moins cher. Ouais. Tu vois? Donc, avant que Montréal se pète la gueule, il faudrait que déjà Toronto et Vancouver se cassent la gueule, Ouais, tu vois. et je pense Donc, que Vancouver et Toronto, ils vont jamais se péter la gueule. exactement. Donc, nous, on a une marge de Sûrement. progression quand même Bah oui, parce que assez Montréal, énorme. en plus, c'est, fait partie des trois grandes villes, en fait. Bah ouais, c'est Montréal, ça. Vancouver et Toronto, Toronto, quoi. ouais. Et Montréal est 3 fois moins cher que Toronto. Ouais, donc il y a de la Donc, marge. un immeuble. À 500 000, Toronto, un immeuble ici à 500 000, tu as la même chose à Vancouver, ça tourne autour d'un million, deux, 1,3 million, quoi. Donc, tu vois qu'il y a quand même une certaine marge avant de faire fight. Ok, bon bah les gars, vous avez compris, hein. Si vous voulez investir au Canada, franchement c'est un truc de malade. Quand il m'a dit tout ça, j'ai dit mais de toute façon je vous ai déjà dit, moi je vais au Canada, je vais là-bas. Ouais, En plus on paye moins d'impôts. Ah, peut-être pas au exactement. Québec. Au Québec Ouais, on. un peu, ouais, je te dirais, c'est comme la France. C'est comme Ouais, la France au niveau c'est peu pour la d'imposition. France, mais bon. Mais bon, le coût de la vie est moins élevé, donc ça compense. Ah ouais, j'avoue. C'est Non, ça. c'est énorme. Ok, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. Yes. Ben, en tout cas, merci Florian. Merci à Machine toi. de Merci guerre, à mon vous. gars. Donc n'hésite pas à mettre un petit j'aime et laisse-moi un petit commentaire si toi aussi tu veux aller au Canada et investir au Canada. N'hésite pas à aller faire un tour sur la conférence en ligne de Flo où il explique vraiment étape par étape comment atteindre 1 million, c'est ça? 1 million. Voilà. 1 million En un an. en 1 an, c'est ça? 1 million en 1 an de patrimoine immobilier au Canada. Tu as compris que quand tu as 1 million au Canada, bah, c'est un truc de malade, tu as une force. Puissance financière de ouf. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, les gars. Cliquez dans la description aussi, les gars, si jamais vous voulez que je vous accompagne. D'accord? J'accompagne toujours les gens à faire 10K en moins de 3 mois si jamais tu as une expertise dans les finances, la santé et les relations. Ok? Donc d'ici là, les gars, prenez soin de vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Et on reste déterminés! Ciao.